Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Je t'ai toujours dit. Non, c'est vrai. Mais c'est pas parce que tu m'as toujours dit que tu auras toujours raison, mon gars. Ah, toi aussi, tu déranges. Je t'assure que c'est ça. Ça va, alors, ça va, mon type. Allons voir notre grand. On est venu prendre quelque chose d'un ami. Pourquoi n'êtes-vous pas venu la dernière fois que je vous ai invité au séminaire des grands hommes d'affaires? Pourquoi? Je vous ai dit, vous avez manqué. Le combat et les armes, ce sont des choses dont on se sait constamment. Mais qu'as-tu contre le combat? Les pasteurs d'aujourd'hui sont tout simplement des matérialistes. Ces histoires de combat, ce ne sont que des piches pour se servir des gens entièrement. Je dois te dire quelque chose. Le diable rôde autour de toi. Et toi, David, qu'en est-il de toi? Eh bien, je suis en train d'étudier dessus. Aussitôt que je comprendrai, je prierai pour cela. Je vais sérieusement prier afin que Dieu vous délivre tous les deux. Soyez prudents, hein, les okay, enfants, soyez prudents. Au revoir, au revoir. Faites attention. Madame. Ok, bien, va alors remplacer de nouveaux draps sur les lits. Ici. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oh, mon amour. Mon chéri. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Merci. Comment ça a été? Le Seigneur contrôle et tout va puissamment bien. Ok, viens t'asseoir, s'il te plaît. Et comment va mon ange? Ai-je entendu elle? Maintenant, écoute. Le Seigneur m'a dit que c'est il. Et mon Seigneur ne m'a jamais menti. Tu devrais attendre une prochaine fois pour elle. Ok, on en parlera après. Va d'abord te changer, prendre ton bain et tu reviendras manger la bonne nourriture que j'ai préparée pour toi. D'accord, je te dis alors. Non, je voudrais que tu viennes avec demain matin. Oui. 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 Ok, d'accord, on se voit plus tard. L'évangéliste. Le pasteur. Bonjour, monsieur. Le prédicateur Jérémie. Asseyez-vous, monsieur. Ok, merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Je viens juste de la mission comme ça. Alors, que puis-je faire pour toi? Monsieur, nous avons juste besoin d'organiser une conférence. Alors, ce qui est important, nous avons besoin d'argent. C'est le travail de Dieu. Je n'ai pas d'argent pour le Seigneur. Mon ami, j'ai dit je n'ai pas d'argent pour le Seigneur. Ne peux-tu pas entendre ça? À
Attends, je vais t'aider, attends. Suis-je le seul à qui vous devez toujours prendre de l'argent? Avez-vous déjà collecté chez les autres personnes? Très bien. Donc maintenant, c'est mon tour de donner. Maintenant, écoute-moi, ou Jérémie, ou prédicateur, ou apôtre, ou évangéliste. Je suis très, très, très occupé maintenant. S'il te plaît, mets-toi dehors. Va-t'en! Actuellement, je voulais te voir. Mais par la grâce, tu es ici. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ok, vas-y, tiens, c'est pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Évangéliste, je crois que si Dieu me bénit comme j'attends là, je t'assure que je vais te surprendre. Je vais beaucoup te surprendre. Frère David, mon Dieu va vraiment te récompenser avec toutes les richesses. Au nom de Jésus-Christ, je vais te laisser. Prends soin de toi. Est-ce qu'on donne par force? La Bible ne dit-elle pas que ce que ta main droite fait, ta main gauche ne devrait pas être au courant? Bien sûr, tu l'as fait. Mais cet argent-là, c'est pour faire du commerce. Du commerce? Mon frère, c'est la politique de l'église. Et si tu ne contribues pas, toute l'église se retourne contre toi. Desmond. Laisse-moi te dire que tu as mal. De toutes les façons, ce n'est pas la raison pour laquelle je t'ai appelé. Comment allons-nous faire pour rembourser l'argent de ce monsieur? Oh, tu as raison. Au fait, je suis en train de regarder ce dossier de plus près. Ok. I got a women friends, eh. Just a moment, I can't be beside you. At the window opens, eh. She's a window and so. I got a warp of a real life. C'est qui au téléphone? Avec qui je parle? Qui au téléphone? Oh! Chief Zuruba! Chief Zuruba! C'est une merveilleuse nouvelle. Ok. Nous allons bien. Tout le monde va bien. T'inquiète pas. Oui. Mais qui vous a parlé de cette contenance? Ici, nous parlons d'un Dieu qui satisfait tous ses fidèles. Alors, c'est un bon Dieu. Bon, je vous signerai un chèque demain matin. Oui. C'est compris. Je saurai comment faire cela. Ok. Non, ça va maintenant. Je saurai comment gérer la situation. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ok. Oui. Oui. Permettez donc qu'on se voie demain. Oui. On pourra se voir demain en boîte. Ok, il n'y a pas de problème. Non, ne vous inquiétez pas. Oui. On sera ensemble. Ok. Chérie. Oui. C'est que je t'aime de tout mon cœur. Oh. Je sais une chose que tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Il doit reculer pour cela. Et aussi. Et en particulier pour cette société. Dis-leur que. On va revenir. Ok, monsieur. Oui, monsieur. Ok, monsieur. Jérémy. Oh, bonjour monsieur. Oh, merci oh beaucoup, je suis si content de te voir. Si t'es placé toi. Ok, merci beaucoup. Comment va le business? Ok, c'est bien. Oh, tout le plaisir. Puis-je te prendre quelque chose à boire? Non, ne te dérange pas pour moi, ça va. Merci. Okay. Je disais oui. Tantôt que je suis désolé de te déranger une fois de plus. Il est mieux que j'en parle maintenant. Nous avons besoin d'argent et pour acheter du matériel pour l'œuvre de Dieu dans mon village. Il y a une famine qui sévit là-bas.
Beaucoup de gens ont refusé de nous accorder leur aide pour tous ces démunis. C'est le pourquoi je viens encore te voir. Oui, c'est vraiment malheureux. Je comprends. Je sais pas. 300 000 francs, ça pourra aller? 100 000 naira. Ok, je vois, je vais donner 600 000. Je vais te faire, je vais te faire un chèque. Et ça, puis, c'est magnifique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse davantage, frère. Tu sais, tout ce que j'ai, c'est pour l'assemblée. Il n'y a rien qui soit pour moi seul. Ok? Tout ce que Dieu donne, il le donne avec amour et nous devons aussi partager avec amour. Que Dieu te bénisse encore aujourd'hui. L'argent n'est pas arrivé. Le directeur de la banque refuse de m'accorder un prêt. Je suppose que nous retournons à la case de départ. Que dois-je faire maintenant? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Nous courons le risque de perdre ces histoires. Dieu, il y a un ultimatum. Le conteneur doit être dédouané avant 2 semaines. En dehors de ça, ça court le risque d'être scellé. Ma propre vie. Mon unique vie. Tout ce que j'avais, tout ce que j'attendais était dans ce conteneur. S'ils ont saisi ça, ma vie sera aussi finie. Pouvons-nous rencontrer ce frère? Ce gars est clochiche, mon gars. Il ne va pas nous aider. Non, arrête cela. Le frère Esaïe a un bon cœur, tu le sais. Le cœur du partage. Mon frère, ça c'est seulement l'église. Ils utilisent cela comme un camouflage afin de pouvoir acheter le cœur du pasteur et des belles sœurs. Ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça, Desmond. Le frère Esaïe a un bon cœur, tu le sais. Il peut nous donner la somme dont nous avons besoin. Écoute, David, j'ai mon intérêt à protéger dans cette histoire. Ce gars est juste un avare. Et tout pour lui, rien pour les autres. Regarde, ça saute aux yeux que tu détestes ce gars. Mais de combien parle-t-on même depuis? 1 million de naira, bien sûr. Oui. Oui. L'honorable. L'honorable. Allons le voir. Il est le seul à avoir cet argent. Tu veux dire, donne-le disjoncté. Quelle que soit la procédure, pourvu que ça nous mène à l'argent. Souviens-toi qu'il avait dit qu'il devait m'apprendre comment gagner l'argent.
C'est le bon moment pour le rencontrer. Allons-y, on n'a pas le temps pour attendre. Bougeons, mon ami, allons-y. Nyamoro! Vous m'honorez par votre présence. S'il vous plaît, asseyez-vous. C'est quoi ça, ce que vous prenez là? Non. Varios, va chercher quelque chose, ce que les hommes boivent. Nyamoro! Merci beaucoup, nous sommes à l'aise comme nous sommes là. Ah bon? Oh, ok. Vous savez, j'aime bien passer du bon temps avec des amis autour d'un pot, vous voyez. J'ai souvent bu comme ça là et moi-même saoulé. À vous l'honneur, honorable. Je me rappelle le jour où je me suis battu avec mon professeur. Oh, le grand frère! Je lui avais dit. Je lui avais dit. Oh, Nyamoro! Eke! À toi! Ah ah! Honorable, nous sommes ici pour respecter ce qu'on vous a dit au téléphone. Ah, ok. Oui, je vois. Au téléphone. Tu disais que tu voulais encore une somme combien là? Un million. Juste un million. Hein? Merci Jésus. Je suis désolé, je suis désolé honorable, je suis désolé. Nyamoro, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Excusez-nous. On est désolé. Tout de même, laissez-moi aller là-bas et vous apporter votre argent. Hein? Nyamoro, Moko. Honorable. Voulez-vous l'accompagner parce que j'ai beaucoup de femmes ici. Et avec les filles, Nyamoro. Non, ça va. Okay. Ça va. Oh, Nyamoro! Toi, tu es malade. Ne va là-bas. On est venu ici pour l'argent. Ne va là-bas avec ça. Les femmes, c'est la vie, gars. L'argent, toi tu parles déjà des femmes. Thank you.
toi, agent. Tu iras chez Desmond et David. Tu leur seras inutile. Et tu reviendras chez moi. Et tu reviendras chez moi. Et tu reviendras chez moi. Tu reviendras chez moi. Allô? Oui. Mais Paul, il est parti où? Il est parti à la Maison Blanche? Ok. Maintenant, écoute. Ne vends plus jamais mes choses à crédit. Est-ce que tu entends? Ok. Oh, je serai là dans l'après-midi. On prend l'argent à la banque immédiatement. Ok? Mon amour. Tu t'en vas déjà? Mais tu n'as pas fini ton repas. Non, ça va, ça va. Écoute un peu. Je veux que tu prennes Junior à l'école aujourd'hui, ok? Prends la voiture. Prends-le à l'école et amène-le à la maison. Je pourrais pas le prendre. Un taxi? Mm-hmm. Mais tu as plus besoin de la voiture. Oh mon amour, ne t'inquiète pas, je viens. Ok. Tu sais quelque chose? Quoi? Si j'ai fini de vendre toute ma marchandise, je crois que je vais t'acheter une voiture. Mais c'est faux! Attends, dis-moi que tu ne blagues pas. Je ne blague pas. Je suis sérieux. Oh, bien. J'ai là ma puce. Mon amour. Tu sais que je t'aime si fort. Je t'aime aussi. Viens là, mes bras. Maintenant, tu prends soin de toi, ok? Hein? Junior. Allez, salue-moi comme d'habitude. Allez. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon baby. Papa. Ça, c'est ça. Bye papa. Prends soin d'accord, de toi chérie. Bye bye. Papa, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis en ces temps, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, Seigneur, si tu me bénis en ces temps, je te servirai le restant de mes jours. Je te donnerai tout mon temps juste pour t'adorer. J'utiliserai cette bénédiction, toute cette richesse que j'aurai, juste pour bénir d'autres personnes. Oh, bénis-moi, mon Dieu. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Emeka. Oui, monsieur. Comment ça a été? Bien, monsieur. As-tu fini de vendre la marchandise? Oui, monsieur, j'ai tout vendu. Et j'ai envoyé l'argent dans votre compte. T'as tout vendu? Oui, monsieur. Voici ça. Alors, laisse-moi voir la facture. Ok. Oh, ça c'est bien. Tu peux partir, tu peux partir. Oh, le temps de Dieu est revenu. Jésus-Christ, merci beaucoup. Je te remercie parce que tu es mon Dieu. Oh, mon Dieu.
Je te remercie parce que personne n'est comme toi. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui répond à ma prière. Je te remercie, Jésus. Tu es encore là? Oui. Je t'attendais. Tu vas pas prendre ton petit déjeuner? Non, je pourrais pas. J'ai un rendez-vous très important tout à l'heure. Mais je serai là très tôt pour, manger. Je le Chérie, s'il te plaît, je sais pas si tu peux me donner un peu d'argent. Ah, mais tu as un peu d'argent, non? Non, je n'en ai plus. Fini? Oui, j'ai utilisé pour payer ma dîme à l'église. Tu as fait quoi? Tu as payé la dîme? Non, maintenant écoute-moi. Tu pars là-bas et tu reprends l'argent là maintenant, peu importe à qui tu as donné ça. Mais chérie, c'est la part de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Tu sais très bien que j'ai besoin de chaque kobo sur lequel je pose ma main. Ma marchandise est là-bas, ça ne passe pas. Et tu es ici là pour payer mon argent à certains dieux. Va et prends mon argent. Va et reprends mon argent. Ne le prends pas mal. Dieu va te bénir en retour. Viens. Allons-y. Allons. David, coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé. L'argent est finalement arrivé. Nous devons remercier Dieu. Je te comprends, mon frère. Mon type, coupe-moi les bibines. Qu'est-ce que c'est que ça? Finis-moi ça. Ça, c'est pas l'alcool. Prends le whisky. Hein? Ça, c'est la boisson des hommes. Bougez donc. Profitez de ça, gars. Mange bien. C'est Dieu qui nous a donné cet argent. Maman. Oui, monsieur. Maman. Oui, monsieur. Abandonne-nous les bibines. Tiens, les bibines ici. Hein? D'accord, monsieur. Les bibines ici. Prends-les. Si tu poses ici, tu poses ici. D'accord, monsieur. Maman. Oui, monsieur. Apporte 4 ici. 4 ici. Et 4 ici. 4 ici. Je t'attends ici. Je voudrais que je donne mon dernier, hein? D'accord, monsieur. Oh, les bébés, mais non, bébé, viens voir papy. Viens, assieds-toi là. Oh, bébé, moi, tu vois tout ce qui est ici. Je peux nous voir tout ce qui est ici. Maintenant que l'argent est arrivé. Simple. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Eh, s'il te plaît. S'il te plaît, nous devons tout faire pour sortir de cette situation-ci. Fais tout ton possible. Bébé, descends d'abord. Oui. Greg, s'il te plaît, fais tout ton possible pour nous sortir de là. Écoute-moi, Greg. Greg! Hello? Allô, Ben? Ben, s'il te plaît, mon frère. Ben, s'il te plaît, écoute. Écoute, s'il te plaît, Ben. Et aide-nous. Ok? S'il te plaît. S'il te plaît, hey, ne me dis pas ça. Dieu le blesse. Hey. Mon gars, on est dans les problèmes. Dieu le blesse. Il ne peut rien faire pour nous. Pourquoi? Je ne comprends pas comment il peut dire qu'il n'y a pas de possibilité. Hey, qu'est-ce qu'on va dire maintenant à l'honorable? Il n'y a pas d'issue. Comment va-t-on faire maintenant? Nafdak a détruit toutes vos marchandises parce que c'était des trucs périmés. J'ai dit, êtes-vous fous? Pourquoi vous ne m'avez pas dit avant que vous deviez envoyer vos choses par Nafdak, hein? Honorable,
Honorable, s'il te plaît, nous te promettons de gérer cette situation. Ne t'en fais pas. Non, maintenant, je peux voir comment vous pouvez gérer une situation. Je peux voir comment vous gérez les problèmes. Vous pensez que je devais vous croire quand vous allez venir me dire que mes 2 millions sont partis dans l'eau? Je ne peux pas vous écouter parler. Vous ne pouvez pas me dire des choses pareilles. Quand est-ce que vous allez me rembourser mon argent? Comment allez-vous faire pour rembourser mon argent? S'il vous plaît, honorable, pardon, honorable, pardonnez-nous. Pardon, honorable, pardon. Pardon, honorable. Pardonnez-nous, honorable. Pardon, honorable. Trouvez une place dans votre cœur pour nous pardonner. J'essaie de trouver cette place, mais je n'arrive pas. S'il vous plaît, nous sommes désolés. Oui, asseyez-vous. Nous avons commencé le business ensemble. J'ai commencé avec vous dont je dois gérer. Je ne peux pas mal fonctionner avec vous. Je vous pardonne. À vous l'honneur, honorable. À vous l'honneur. Mais ne recommencez plus jamais cette erreur. Pour l'amour de Dieu, appelez-moi. Appelez-moi. Honorable. J'aimerais savoir, vous qui êtes allé à l'école, comment pouvez-vous m'expliquer que je sois plus riche que vous? Honorable. Et kata kata. Je vais vous donner 2 millions de naira pour lancer votre business. Hey, honorable. Pas d'erreur cette fois-ci. Jouez bien votre carte, pas d'histoire. Okay. L'honorable. Il n'y a personne comme toi, honorable. Grand frère, non, on te promet qu'on sera maintenant prudent. On te le promet. Mais pas d'erreur cette fois-ci. Ok, je vais vous amener les filles pour que vous vous amusez un peu. Ok? Pardon, hey, mon type. Il y a une urgence là. Hey, mon type, c'est quoi le problème? Assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma soeur a fait un accident aujourd'hui. Elle avait une catastrophe. Hey, ça va. J'ai juste besoin de 200 000 naira. J'ai juste besoin de 200 000 naira pour donner à l'hôpital parce que là maintenant il n'est pas le cash sur moi. Là je vous donne demain à la première heure, je vous assure. Je ne garde pas de telles sommes d'argent à la maison. Mais le gars que tu venais de voir partir là, je lui ai donné un peu d'argent. Mais voyons voir ce qu'on peut faire. Un mic. Oui, boss. S'il te plaît, viens, s'il te plaît. Pourquoi ce genre de choses m'arrive à moi? Pourquoi? S'il te plaît, va dans la chambre, le coffre-fort, le chiffre, le code c'est 7001. Et puis tu viens me dire. Ok, boss. Oh Dieu. Calme-toi. Non, pas besoin de te lamenter. Ok? Ce qui est important là maintenant, c'est qu'il faut que tu aies de cet argent là pour aller à l'hôpital. Vous avez raison. Quoi? Est-ce qu'elle méritait ça? Non, ça va, t'inquiète pas. Tu ne pouvais l'imaginer. Non, ça va aller, ça va, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, Seigneur. Ça va aller. Calme-toi. Je comprends. Ok. Ok, merci Mike. Ok. Ça c'est 6 000 dollars. Je vous donne ça demain. Elle ira bien, calme-toi. Calme-toi, surtout. Ma prière pour lui également, c'est je veux qu'il croie aussi au Seigneur Jésus. Parce que tu vois, il s'est souvent plein de certaines situations un peu bizarres. Et il est souvent un peu bizarre aussi.
Seigneur spirituel, voici, je te présente l'agent d'Esaïe. Je vous présente ceci comme point de contact pour le déstabiliser, pour détruire tous ses business et que tous ses membres deviennent des disciples. Voici, voici mon Dieu spirituel. Fais d'eux tes disciples maintenant. Vas-y. Va. Es-tu sûr que ta femme dort? Bien sûr. Non, as-tu un problème non, avec? Non, bien sûr que non. Tu sais qu'un problème est un problème quand on ne peut pas avoir une solution exacte. Oh oui. Tu sais, bon, j'irai tout droit au but, ok? Je t'aime beaucoup. Mon désir est d'avoir ton style. J'aime la manière dont tu t'habilles. Je vais dans le même club que toi. Je voudrais que tu me fasses une confidence. Où est-ce que tu es? Je vais être avec toi là-bas. Je ne comprends pas. Vas-y. Tu n'es pas un chien. Je peux tout faire pour l'argent. Je peux tout faire aussi pour la protection. Je veux juste être où tu es. Vas-y, dis-moi. Où est-ce que tu es? Le donne. Oh, tu l'oses, je peux tout faire. Pourquoi tu gardes ce secret avec moi? Bien sûr, tu me connais. Je suis un homme discret. Bien sûr qu'il peut garder un secret. Vas-y, dis-moi. Dieu est mon secret. Bien. Je t'attendais pas à ça. Tu m'as dit là où tu es. Ça va. Je suis un fervent chrétien. Je paye ma dîme. Je fais des offrandes dans la rue. Et j'essaye par ma petite volonté de servir Dieu dans la vérité et en esprit. Permets-moi de partager un avis avec toi. Les nés de nouveau ne blaguent pas. On peut se faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent plus que les non-chrétiens que tu vois là dehors. Dieu accorde faveur à ceux qui l'aiment et qui le bénissent avec leurs moyens de tout leur cœur aussi. Tu peux faire partie de la maison. Regarde, Isaïe. Arrête de me dire c'est... parler de Dieu. Écoute, j'aimerais savoir juste qui est ton docteur qui te donne l'argent. C'est tout. Et tout ce que je demande, c'est que tu m'introduises, c'est tout. Vas-y, dis-moi. Le donne. Je vais te dire encore. Je ne connais rien sur cette terre que je puisse faire et qui puisse faire réussir ma vie sans la puissance du Tout-Puissant. Toute créature appartient à Dieu. Je voudrais t'encourager à naître de nouveau et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur. Maintenant, tu as mon secret. Plus de 5 millions envolés. Partis dans l'eau comme si de rien n'était. Comment vais-je affronter le don? Quel genre d'excuses vais-je lui donner?
Luc, cette température n'est pas bonne pour ton corps. Tu as besoin de te reposer pour avoir des forces. S'il te plaît, viens te coucher. À quoi sert le sommeil pour une âme en souci? S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Dieu est encore sur le trône. Viens te reposer, s'il te plaît, viens. Mon amour, 4 millions. Toute ma vie est partie. Que vais-je dire aux gens à qui j'ai emprunté cet argent? Je sais. Je sais. Ne t'en fais pas. Le Dieu que je sers trouvera un moyen de nous aider. S'il te plaît, viens te coucher. Hein? Viens te coucher, s'il te plaît. Où vais-je aller jeter la tête maintenant? Mais viens. Tu sais que la nuit porte conseil. S'il te plaît. Mon amour. Ils ont assassiné mon sommeil. Je sais que le Seigneur nous aidera certainement. Et viens te reposer. S'il te plaît. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. S'il te plaît, viens te reposer, juste pour moi. Poupée? Oui, chérie, je suis à la cuisine. Bébé! Oui. S'il te plaît, viens. C'est viens, quoi? Viens. Écoute, on qu'est-ce doit s'en aller d'ici, sinon on est mort. Viens. Mais viens qu'est-ce que viens, c'est? Viens. Junior, je il est où? Pas, viens, je vais t'expliquer, il n'y a pas de temps après. Hein? Ok, allons-y, allons-y rapidement, il n'y a pas de temps. Je vais t'expliquer après, mon amour. On doit bouger d'ici, sinon on est mort. Mais dis-moi, je veux... Non. Je veux savoir ce qui se passe. Je t'ai dit, je vais t'expliquer tout cela, mais après... Non! Dis-moi ce qui se passe. L'agence de contrôle antidrogue est après moi. L'agence antidrogue après toi? Pourquoi? Ne me dis pas que tu vends de la drogue. C'est quelqu'un qui est derrière tout cela. Ils ont mis plusieurs kilogrammes de drogue dans mon conteneur. Seigneur! Maintenant, écoute-moi, on doit bouger d'ici très rapidement jusqu'à ce que tout soit clair. Maintenant, j'ignorais où? Non, il est encore d'accord, à l'école. D'accord, on va aller le chercher. Mais entre-temps, toi, commence à arranger tes choses rapidement, ok, mon amour? Ne t'inquiète pas, ne pleure pas, s'il te plaît.
Officier John, écoutez, je voudrais que tu arrêtes maintenant ce faux businessman de médicaments. Monsieur Desmond, comme il a l'habitude de s'appeler, rassure-toi que tu reviens avec lui dans ce bureau, maintenant. Je sais que tu es efficace. Ton boss. Où te trouves-tu? Oui. Comment ça vient ici, chef de chasse? Tu dois chercher partout. Dans la chambre, dans la cuisine, partout. Ok? Moi, je vais regarder là-bas. Non, tu as fait que rouler comme un bootman. C'est quelle façon de rouler ça même? C'est quelle oh, sale façon de rouler ça? Arrivés. Après tu vas me tendre la main. Donne-moi mon argent. Prends ça là-bas. Hé, hey, mon argent c'est 40 naira. Y'a mon enfoiré comme ça. Chérie. C'est quoi le problème? Tu n'as pas eu ce travail? Tu n'es pas qualifié? Je veux dire, tu n'as pas le profil qu'ils veulent? Ça va aller. Dieu va nous aider. Ok? Dieu va nous aider. Je me demande seulement quand est-ce que cette aide va venir. Junior, il est où? Comme ça. Junior regarde la télé chez les voisins. Il regarde la télé dans la maison du voisin. Pourquoi tu parles comme ça? À moi, Minka. Il y a Omite comme l'Ondana là. Monsieur Amadou, vous vous souvenez de l'ami dont je vous ai parlé qui vient aux États-Unis? Et tu as connu parler de Monsieur Fall? Oui, bien sûr. Il a finalement réalisé sa promesse. Et comment? J'ai investi 100 millions de dollars dans ce business. Nyamora neve Nyamoro. Eh, Nyamora neve Nyamoro. Woman. Maintenant que nous parlons d'investissement, j'ai finalement réussi à acheter plus de 1000 terrains au travers des grands hommes d'affaires. Et tu sais combien j'ai payé cela? Combien? 50 milliards. Ça, c'est grand. J'aime ça. C'est vraiment grand. L'argent est bon. Oh oui, tu peux le redire. Pourquoi je n'aime pas venir dans des places pareilles? Regarde comment ces gars parlent de l'argent, comme s'ils ramassaient ça par terre. Mange. Mange, l'argent. Mange. Non. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir tout cet argent? Mon frère, je ne sais pas. Mais je pense qu'on doit découvrir. David, à force de regarder la nourriture, ton ventre se remplit. J'ai tellement souffert. Depuis que j'ai perdu mon argent et mes biens. Quelle que soit la méthode qu'ils utilisent pour avoir
Moi aussi, je dois utiliser cette méthode. Ce pays tue le rêve. Mais nous, on ne lâche non, pas plus. Pas le rêve est toujours à nous. Peu importe qui feront là-bas. Yeah. Le bled nous dénature. Mais on ne veut pas changer la nature de l'homme. Yeah, 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 yeah. Ah, K-M-E-L. Quand même, on bled, ouais. Jamais je n'oublierai. Peu importe ce que tu fais, je sais que tu manges ta chair des fois, ouais. Avec tes vieux là-bas. Jemeni te l'orini, yama. Que j'ai même fait? La mienne, mon colito, ouais. Lâche-moi le refrain. J'ai fait la brouette. Les jeunes ne lâchent pas plus. J'ai même fait le pain sikin. Les jeunes ne lâchent pas plus. J'ai fait le pain yam selam. Les jeunes ne lâchent pas plus. J'ai tout essayé, mais rien ne semble marcher. Hey! Je ne le sais, c'est pas aujourd'hui qu'on le sait, c'est depuis des siècles qu'on le sait. Yeah, yeah, Mokolito, c'est du Mokolito pur, ça. Comment tu fais pour avoir ces nids? Amaka m'a donné un peu d'argent. Dieu va la bénir. Amen. Chérie, le bailleur est venu ici très tôt ce matin. Le bailleur, il était là? Oui. Ne te dérange pas, je lui ai donné un peu d'argent de ce qu'Amaka m'a donné. Alors, il ne va pas nous déranger pendant les deux prochains mois. Chérie, je crois qu'il est temps que je te soutienne en allant travailler. Quoi? Oui, en travail. Quel travail? Hein? Je pense avoir été clair là-dessus. Mais on a... Aussi longtemps que ça me concerne, le débat est clos. Je ne veux pas que tu travailles. As-tu un problème avec? Ferme ta bouche ici, je ne veux pas que tu travailles. Hein? Ça, c'est même quoi? J'ai envie de contribuer dans cette... dans cette maison pour qu'on évolue un peu, non? Ah. J'aime pas ça. Tout va de mal en pire. Rien ne semble marcher. Partout où je pose ma tête, les ténèbres couvrent la lumière sur moi. Quel est le péché que j'ai commis? Et que Dieu ne peut me pardonner? Desmond. Desmond, tu n'as rien fait de mal qui soit impardonnable. Nous n'avons commis aucun péché qui soit impardonnable. Mais nous n'avons rien fait. Mais alors, c'est donc quoi le secret? J'y pense encore. Je pense que nous devons aller voir l'honorable. Compte-moi dehors. Ce gars nous a donné 2 millions de naira. 2 millions de naira pour commencer des affaires. Et tout cela est parti dans de l'eau. Oui, je sais. Je sais qu'il nous a donné 2 millions de naira pour les appels. Mais ça n'a pas marché. Alors, ce n'est pas une raison pour qu'on fuit cet homme qui nous a aidés. Nous devons aller le voir. Parler avec lui, un à un. Peut-être il va nous écouter. David, j'ai peur de ce gars. 2 millions de naira, c'est pas de l'argent pour acheter de la cigarette à ton chat. Le gars peut décider de faire de nous ce qu'il veut. Écoute-moi, Desmond. 2 millions de naira, c'est rien pour l'honorable. Il n'en a pas besoin. Allons, on va pas le fuir comme ça. Je n'arrive pas à trouver le sommeil dans la nuit. On doit le voir, je t'assure, mon frère.
Après tout, c'était qu'une erreur de notre part. N'est-ce pas ça? Là, j'y vais pas. Tu ne veux pas partir? Je te fais pareil. Je suis désolé, je peux. Bon. D'accord, on va s'en venir. Je reviendrai te voir. Ouais. Qui va là? Entrez, c'est pas fermé. Ton mari où? Eh, bailleur, bonjour. Ton mari où? Mon mari n'est pas là. Je vous assure qu'à son retour, votre argent sera complet. Il n'est pas à la maison? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un calendrier, ne t'inquiète pas. Eh bien, madame, ce que je suis venu vous proposer, c'est que vous demandiez à votre mari d'oublier l'argent que vous me devez comme loyer. Je ne comprends pas. Vous voulez dire qu'on ne vous donne plus le reste d'argent? Laisse-moi reformuler ça de cette façon. Que moi, au Okorongo, j'ai décidé de vous faire cadeau de cet argent que ton mari doit vous me devez. Mon bailleur, je suis très reconnaissante. Merci. Non, il n'y a pas de quoi. Non, t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Venez, madame. Dieu va vous bénir. Savez-vous que vous êtes une très belle femme? Merci, monsieur. Viens. C'est quoi? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Mais vous m'avez poussé, madame. Hein? Désolée, mais je comprends pas ce que vous voulez faire. Il y a quoi là que tu ne comprends pas? Tu es une petite fille. Ne sais-tu pas ce qu'on m'attend d'une femme? Donne-moi juste le truc. De cette façon, jusqu'à ce que vous resterez ici là chez moi, ton mari et toi, vous n'allez jamais payer le loyer. Qu'est-ce que tu veux? Moi? Tu me prends même pour qui? Une prostituée? Hey, oh Dieu, tout ça à cause de l'argent. Oui, femme. Toutes les autres femmes le font. Les choses sont si difficiles. Les autres femmes utilisent ce qu'elles ont pour avoir ce qu'elles veulent. Je ne suis pas les autres femmes. Je suis une femme mariée responsable et j'aime mon mari. Maintenant, sortez d'ici. Sinon, je vais crier. Sortez. Mettez-vous à la porte, je vais crier. Sortez. Je devrais sortir, hein? Sortez. Je dois sortir. Je vais crier, sortez. On va voir qui est le bailleur cette fois. Attendez de mes nouvelles. Oh Dieu. Tout ça à cause de l'argent. David, mon frère, il y a du feu sur la poudrière. Actuellement que je te parle ici, je suis sans abri. Toutes mes choses sont éparpillées dehors. Pourquoi? Mon bailleur, je dois à l'homme 2 ans de loyer non payé. Dave, ton cas est mieux que le mien. Ah, David, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il de meilleur lorsque ta femme et ton unique enfant sont dehors et que tes choses sont éparpillées partout? Qu'y a-t-il de meilleur dedans? Je voudrais pas te déranger, mon cas. Qu'allons-nous faire maintenant? Je t'implore, David. Allons voir Otilozo. Peu importe plus qu'on périsse ou pas. Allons. Je l'ai appelé hier. Il m'a demandé de passer aujourd'hui. Mais qu'attendons-nous? Allons. Il n'a pas droit. Allons. Il faut que nos vies changent. C'est y a trop. C'est y a de trop. Hey, ma vie, ça doit changer aujourd'hui.
Et le poisson meurt dans l'eau. Comme je suis en train de te parler là maintenant, je suis tellement confus. Mon monde est dévasté. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Ça va aller, t'inquiète pas. Je suis dépassé, je t'assure. Nous devons chercher à faire quelque chose. Nous devons penser quelque chose qui peut nous aider. Allons le voir. Je crois que c'est la meilleure solution. On n'a pas le choix, gars. Je t'assure. Hé, hey, mais c'est David. Mais si tu appelles comment, je m'en fous. Hein? Donc, depuis là, tu te caches contre moi. Hein? Comment il veut me cacher contre vous? Tu te caches contre moi. Monsieur Adé, j'ai pas fui avec votre argent. Dès-toi, monsieur le fou. Où est mon argent? Chef Adé, s'il vous plaît. Oh, où est mon argent? Pardon, chef Adé, je voudrais juste vous demander un peu de... Oh, monsieur le fou. Monsieur Adé. Monsieur Adé. Tu m'escroques comme ça là et tu as le courage de m'appeler chef Adé. Chef, calmez-vous, non? Écoutez. Je vais vous donner beaucoup de temps. À partir de maintenant jusqu'à demain, si tu ne me donnes pas mon argent, la tête de chef que tu as là, tu sauras qui est monsieur Adé. Chef, calmez-vous. Je vais vous donner la tête de bord. Pardon, monsieur Adé. Mandangoujois. Et toi, tête de cochon. Et toi, si demain il n'y a pas mon argent, tu sauras. Pardon, je tu sauras pardon. Ce qui fait rougir le piment en bouffe. Et t'attends à mon bureau demain. Nous avons son âge. Ah, mais t'as que fioc. Nous avons son âge. Combien lui doit-on? Nous avons son âge. Allons-nous-en. Est-ce parce que la situation est telle qu'elle est? Le dingue. Le donne. Qui est-il? Ils sont là. Où étiez-vous passé avec mon argent? Donc vous avez décidé de partir. Où est mon argent? Comment avez-vous fait avec mon argent? Comment? Honorable, nous sommes désolés. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous sommes vraiment désolés, honorable. Pourquoi? Pourquoi je suis toujours votre victime? Pourquoi me faites-vous ça tout le temps? Je vous avais donné l'argent avec un cœur sincère. Parce qu'il y a de cela longtemps. On se connaît depuis l'école. Otilozo, s'il te plaît, aide-nous. Nous sommes confus. Nous avons vraiment honte de nous. Actuellement, je suis sans abri. Ma femme et mon unique enfant sont dans la rue. Aie pitié. Actuellement, nous sommes prêts à tout faire. Si tu veux, mon père qui est gardien. S'il te plaît, Otilozo. Ok. Donc, vous êtes venu ici là pour me supplier de vous pardonner dans mon royaume. Oui. S'il te plaît, Otilozo. Honorable, s'il te plaît. Sortez de ma vie. Sortez. Pardon, chef. Sortez maintenant. Pardon, Otilozo. Pardon, on a besoin de toi. S'il te plaît, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, grand chef, grand maître, papa tonton, s'il te plaît. Papa grand frère. Honorable, s'il te plaît. Donc vous pouvez faire tout ce que je veux pour payer mon argent.
Asseyez-vous. Oh, asseyez-vous. Merci. Merci, papa, tonton grand frère. Maintenant que vous avez accepté de faire n'importe quoi pour rembourser mon argent, maintenant que je sais que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour vous aider vous-même, je ne vous donnerai pas toujours du poisson frais. Mes frères, je vais vous apprendre à pêcher du poisson. Je vais commencer par toi. Oh oui, 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 oui. Mon David. Paul d'or. Oui, le d'or. Apporte les pompes. Oh, les bébés. Oh. Il n'y a que vous qui pouvez me donner la joie aussi. Mmh. Oh. Viens par ici, viens par ici, viens par ici. Junior, va plutôt m'attendre dedans, je vais aller prendre. Allô, mon chose. Amour. Ah. Junior, ça dit quoi? Comment vas-tu? Allez, ça c'est mon petit. Ça c'est mon papa. Oui, mon petit. Alors, mon amour. Oui, chérie. David et moi, on a un business à traiter cette nuit. Un business? Mm-hmm. Quel genre de business? Eh bien, David et moi, on attend des voitures en provenance de Cotonou cette nuit. Maintenant, je vais dormir dans la maison de David afin de ne pas être en retard demain. Ça va te prendre combien de temps? Eh bien, 2, 3, peut-être 4 jours. Mais écoute, il y a un gros argent qui y est rattaché. J'espère juste que tu pourras gérer. Amaka s'occupe très bien de moi. Très bien. Alors, je dois partir. Allez, moi. Junior. Allez, salue-moi comme d'hab. Ça, c'est mon petit. Ça, c'est mon papa. Oui, mon petit, tu as tout compris. Bye, bye, mon chérie, est-ce que tu dois absolument aller? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je sens quelque chose qui me dit que tu ne dois pas le faire. Écoute, écoute. Il n'y a absolument rien qui devrait t'inquiéter. Tu n'as pas besoin d'être négatif à ce sujet. Ok. Prends soin de toi. Je vais prier pour toi. Très bien. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Dis-moi. Niamh. Niamh, va pas. Es-tu folle même? C'est dangereux. Es-tu folle? Es-tu folle? Il est question ici là de partir là-bas et de prendre ces centaines de milliers de naira.
était ici à me dire que je ne devrais pas partir là-bas. Junior, prends soin de toi, d'accord? Et de ta maman aussi. Je vois qu'elle devient un peu barge là. S'il te plaît. S'il te plaît, ne va pas. Tu dois être malade. Tu veux que je revienne et qu'on meure dans la pauvreté? Ne va pas. Je t'en prie. Ne va pas. Oh, ne va pas. C'est dangereux. Papa, oh Dieu. Toi, mon Seigneur de cette confrérie, avant que tu n'arrives, j'ai amené deux de mes frères qui voudraient être membres de cette confrérie. Ils sont venus pour que leur désir soit réalisé. Maintenant, écoutez. Vous avez deux options. La première est que vous devriez faire votre possible pour présenter deux sacrifices humains. Le second, vous devriez avoir de nouvelles identités. Identité. Excusez, pouvez-vous expliquer davantage, s'il vous plaît? Tu n'as jamais été né de nouveau. Vous serez à présent
des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel est votre choix parmi ces options? Votre honneur, monseigneur, je crois qu'ils sont d'accord pour l'option numéro 2. Très bien dans ce cas. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est incroyable? Alors, ça t'agit comme un enfant. Je ne comprends pas comment tu as pu tuer ce gars. C'est bien toi qui l'as tué pour une question de pouvoir. Notre Seigneur Diaboli m'a amené à la purification au-dessus du temple. Pourquoi n'y vas-tu pas à ton tour? Regarde, tu n'en as pas besoin. Je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de tuer un homme pour avoir plus de pouvoir, non. Ce sera vraiment bien que tu y fasses un tour. J'apprécierai vraiment quand tu es mon meilleur ami. Ça, tu ne m'intéresses pas. Je n'en veux pas. Alors cesse de venir me déranger. Va déranger quelqu'un d'autre. Mais regarde, qu'est-ce que... Thank you.
compatis à votre douleur. Il est un grand ami à moi. Aïe! Aïe, comment? Comment es-tu parti? Juste comme ça. S'il vous plaît, madame, cessez de pleurer. Pleurer ne va pas le ramener à la vie. Cessez de pleurer. J'espère qu'il a eu une mort paisible. Oh, il est un vrai ami. Un bon ami. S'il vous plaît, madame. Acceptez mes sincères condoléances et mes sympathies. Soyez forte, madame. Cessez de pleurer. Madame, prenez ceci. Il n'y a rien de grand dedans. Je dirai à mes hommes de vous montrer le chemin. Je suis désolée, madame, cessez de pleurer. Désolée, madame. Désolée, madame. Désolée. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Calmez-la. Merci beaucoup pour cet argent. Merci. 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 Non, ça va aller, madame, c'est rien. C'était mon ami, c'est mon meilleur ami. Je pleure sincèrement. Ça va. Assieds-toi. Calme-le. Assieds-toi. Merci, monsieur. C'est tout, arrête. Ça va. David, donc c'est la raison pour laquelle tu ne m'as pas cherché chez M. Moses pour le visiter. Comment peux-tu aller rendre visite avec un cortège de colonel à une femme que tu as tué son mari? Hein? Maintenant il est mort. Maintenant nous en sommes, va les prendre. Hey, ça c'est ton problème. Ah, c'est mon problème. C'est maintenant mon problème. C'est quoi ce comportement là? Tu me surprends, mon ami. Ça ne te suffit pas déjà que nous soyons bloqués et dans cette condition-ci. Et maintenant, tu veux cacher tout. Tu veux tout cacher dans ton passage. Pourquoi? Ça c'est juste le commencement. Et tu ferais mieux de t'habituer. Parce que je vais faire plus dangereux que cela. Depuis que tu es devenu frère catholique. Ah, si je comprends bien, c'est comme ça que tu me vois. Non, c'est comme ça. Monsieur Desmond, tu me déçois beaucoup. J'ai honte de toi. Tu n'as pas de raison d'agir de la sorte. David, tu es celui qui m'a introduit dans ce jeu. Et tu m'as introduit au don. Souviens-toi que tu ne peux pas t'en séparer. Crois-moi. Oui, c'est vrai, je t'ai introduit chez le Don. Mais tu dois faire très attention.
Je suis déjà fatigué de toute cette vanité. Un jour, je laisserai tout ceci et je m'en irai. Pour aller au paradis? Non. C'est plutôt l'enfer qui m'attend. Mais, non. Je dois changer ma façon de vivre. J'avais promis à Dieu que je devais aider les pauvres s'il me bénissait. Je dois faire ça. Oui, je donnerai tout.
Junior, monsieur, mais à quoi puis-je vous aider? Mon amour, c'est moi. C'est moi, Desmond. Quoi? C'est moi, Desmond. Ne me reconnais-tu pas? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Ce petit homme raconte des histoires. Que devons-nous faire pour toi? Amaka, c'est moi Desmond, le mari de ta soeur. J'ai voyagé pour des affaires. Tu es fou. Et écoutez-moi, vous deux. Si vous ne quittez pas cette maison maintenant, je vais appeler la police pour vous arrêter. Dégagez d'ici. Hey, je suis sérieux, c'est moi Desmond. Je suis parti pour une affaire au Bénin. C'est moi, s'il te plaît. C'était toi de la nuit, tu me disais de ne pas partir. Et tu as reçu un choc. C'est moi, Desmond. Bébé, souviens-toi, c'est moi, tu te souviens? Peut-être tu crois qu'on m'a. Attends, tu verras. Attendez un instant. Regarde une chose, tu ne peux pas l'expliquer là maintenant. La sœur de guerre retrouve un peu la raison, tu vois. Parce qu'elle est sur l'état de choc là maintenant. Oui. Prends ton temps. Est-ce le commissaire de police? Oui, monsieur Amaka. Bien, je vous avez un problème. Mais ça va, ça oui, va. À la nous allons partir, il n'y a pas de problème, ok? Je vous laisse. Mais croyez-moi, c'est moi Desmond. Quoi? Junior, je suis ton père. Bébé, souviens-toi, je t'ai promis une voiture lorsque je partais. Mon amour, j'ai déjà l'argent. C'est moi, Desmond. Junior, ne l'oublie jamais, je suis ton père. Viens, viens. T'inquiète pas, elle va rester réfléchie. Viens, parle. Actuellement, elle est dans un combat pour la police. Il dit qu'il est mon mari. Ça va. Assis. Oui, monsieur. Dis à tout le monde dans la boutique que je vais payer. Pour tout le monde. Caissière. Oui, monsieur. Mon boss a dit qu'il va payer pour tout le monde dans la boutique. Donc, tout le monde qui fera ses achats-là, tu me donnes juste la facture. D'accord, monsieur. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Donc, fais les comptes et tu me donnes la facture. Thank you.
Hey, ma soeur, tu n'as aucune idée de celui que j'ai vu aujourd'hui, je t'assure. C'est quoi encore de nouveau, ma soeur? Ma soeur, tu te souviens de ce petit homme qui est venu ici un jour disant qu'il est Desmond, mon mari? Quoi pour lui? J'ai vu ce gars au supermarché. Ce gars est un richissime, ma soeur. Il partageait l'argent, il jetait partout. Cette chose-là. Tu ne sais pas encore tout. Ce gars a payé tout ce que les gens prenaient dans ce supermarché. Hein? Y compris moi. Le gars m'a donné 100 000 dollars cash. Jésus-Christ. Où sont-elles? Je vois les choses. Je n'ai pas pris, oh. Tu es folle. Qu'as-tu fait? Ma soeur. J'ai été incapable de prendre cet argent. Il y a quelque chose d'horrible en lui qui me terrifie. Je veux dire... Terrifié. Il y a quelque chose en lui qui me fait penser à mon mari. Et j'ai eu la même sensation que j'avais eu le jour qu'il partait à Cotonou. Je ne comprends rien du tout. Ma sœur, à ton avis, c'est lui? Comment tu t'attends à ce que je sache? Je ne sais pas. Je t'ai dit, je suis confuse. Je t'ai dit. Je te dis qu'il y a... Il y a quelque chose. Excusez-moi, madame, il y a Chef David qui est là. Oh, fais l'entrée. Ok. Entre, monsieur. Oh, monsieur, bonne arrivée. Oui, madame. J'ai entendu parler de vous. Vous pouvez vous mettre, monsieur. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, merci, madame. Dis-moi, tout tient, ok. Vous savez, madame, c'est tout un plaisir pour moi de vous rendre visite. Merci. Ok. Ok. Madame, ça c'est un chèque de 5 millions de naira. C'est juste un don de ma part. Juste que j'ai été touchée quand j'ai applaudissé de votre mari. Il comptait beaucoup pour moi. Tu es vraiment un bon ami. Que Dieu te bénisse abondamment. Ok, c'est avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, justement. Donne-moi 200 000 naira. Ok, tenez ceci. C'est pour votre repas de midi. Merci. Prenez juste soin de vous. Et prenez aussi soin des enfants. Et surtout, tâchez de mener votre vie à bien parce que vous voyez, il y a des épreuves dans la vie et on doit avoir la force de les surmonter. Ok. Prenez surtout soin des enfants. Et de Merci beaucoup, monsieur Okafor. Okay. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que je suis reconnaissante, monsieur. Okay. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je m'en fous de combien est-ce que tu peux donner aux hommes comme charité. Le plus important, c'est que tu dois consacrer cet argent. Et dans ce cas, tu recevras le double de ce que tu leur as donné. Ça, ce sont les règles de la Brotherhood. Je n'ai rien à foutre avec vos règles de Brotherhood. David, ton attitude affecte mes business. Nos business sont en train de tomber. Et notre père spirituel n'est pas content de toi. Regarde, je n'ai rien à foutre avec tous ces gens dans cette secte. Tu veux savoir ce qui me retient avec eux? C'est juste que je veux retrouver ma forme. Ma forme normale. J'ai vu que tu as envie de mourir. Regarde. Ça, c'est une autre hypothèse. J'espère qu'un jour, je mettrai fin à toute cette sorcellerie qu'il y a dans cette Brotherhood. Chef, Desmond Owoo, vous êtes trop petit pour vous attaquer à moi. Mais si vous insistez, alors faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Moi, je suis pas un bluffeur. Attends un peu, s'il te plaît. Asset, donne-lui 40 000 naira. Alors, pourquoi es-tu donc là? Je suis venue te voir. Tu sais, tu es un beau homme. Et je t'aime. Non, s'il te plaît, arrête. Oui, je t'ai vu ce jour-là à la boutique et tu discutais avec la caissière. Et j'ai juste décidé de te donner un peu d'argent parce que j'ai senti que tu en avais besoin. Ok? Je veux rien d'autre après cela, s'il te plaît. Ok? Donc, arrête cela. S'il te plaît, peux-tu comprendre que je t'aime? Et je ne suis pas... S'il te plaît, prends cet argent et prends soin de toi, ok? C'est tout ce que je puis faire pour toi. Je t'ai vu, regarde-toi, tu t'habilles avec, tu fais tout ce que tu veux, tu as besoin d'argent, ok? Je ne veux rien d'autre en dehors de cela. Attends, s'il te plaît. Jeune femme, vous devez partir maintenant. Me voici multimilliardaire, mais avec tout ça,
Je n'ai pas le bonheur que je cherche. Regarde ma maison. Elle est belle. Mais actuellement, je m'en fous. Oh. Une prison dorée. Je dois avoir le cœur de laisser tout ça. Pourquoi? Pourquoi je me suis corrompu? Pourquoi ai-je accepté tout ça? Ma vraie forme et mon identité. Ta vraie forme et ton identité? J'étais plus grand et plus élancé que ça. Sauf ça, il dit que tu ne me comprends pas. Vendu ton âme au diable. Auras-tu le courage d'agir comme il se doit? Maintenant, je peux sentir ta vraie forme sur une table, dans la calebasse. Tu dois brûler cela. Mais, briser quoi comme ça? S'il te plaît, aide-moi. Si tu veux, tu auras tout l'argent que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux. S'il te plaît, aide-moi avec ça. Aide-moi à m'en sortir. Je peux restaurer ta taille normale. Et je peux te faire sortir de là pour toujours. Mais
Tu dois servir le Tout-Puissant. C'est ça qui était ma volonté. Hein. J'ai toujours souhaité l'adorer, le prier tous les jours de ma vie. Mon cher ami, mêle-toi de ce qui te regarde. Cette âme-là nous appartient. C'est seulement le Dieu Tout-Puissant qui détient l'âme des humains en main. Pas un humain comme toi. Tu l'aurais cherché, moi je suis immortel. Toi, tu as cherché le problème, supporte. Toi, pardon. Petit moustique là, tu déranges beaucoup. Tu as attiré sur toi les problèmes de moi et de toute la bande. Tu as été sauvé, oserais dire, mais demain. Marie-Rose. Chef Desmond. Cours, viens te jeter dans mes bras. Viens. Assieds-toi, assieds-toi. Mais qu'es-tu venu chercher ici? Je n'ai pas d'autre place à aller. Mon mari est mort. Je n'ai que toi et je t'aime. Je t'ai dit que c'est ici que tu dois rester. Sois la bienvenue dans mon paradis. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Chef, buvons. Vas-y, vas-y. Dansons. Oui, buvons, buvons, un bisou. Viens, on va danser aujourd'hui. Assez! Maman, entrons. Tantine. Maman, entrons. Tantine, mais où allons-nous? Là-dedans. J'allais oublier les bagages. Maman, entrons. Thank you.
ma fille, c'est la maison de qui? Maman, c'est la maison que ton fils Desmond nous a achetée. Tante, tu veux dire que tout nous appartient? Oui. Ah, c'est vraiment le paradis sur terre. C'est une belle maison. Ma fille, il dit qu'il revient quand? Maman, il dit qu'il revient dans 2 mois environ. Mon frère, revenir dans 2 semaines. Oui. Je ne crois pas. Donc, je vais revoir mon fils. Oui, maman. Merci, Seigneur. Maman, relaxe-toi. Il m'a demandé de prendre bien soin de toi. Et c'est ce que je vais faire. Hein? Merci, ma fille. Ok, maman, je t'apporte à manger. Ma fille, où est Junior? Maman, Junior est encore à l'école. J'arrive. Monsieur, tu n'entends pas quand il te parle? C'est qui ça, non? Chef. Tu es une seconde fois. Gars, mon pote, je me tiens chez moi. J'ai jamais vu ça. Ah si! Oui, chef, je viens, chef. Ah si! Chef, enlève ta main. Ah si! Ouais, chef, toi aussi, enlève ta main, non? Ouais, chef, attends, chef,
Jésus! Jésus! Qu'est-ce qui s'est passé? Assez! Qu'est-ce qui est arrivé à Chief? Madame, c'est une longue histoire. Quoi? Que lui-même vous explique. Il a la bouche. Mais, pas le chef. Expliquez ce qui se passe. Chef? Marie-Rose, ne sois pas effrayée. C'est juste un accident. Qu'est-ce que tu dis? Tu appelles ceci accident? Assis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh Marie, s'il te plaît, au lieu de me fusquer, donne-moi un verre d'eau. J'ai soif. Un verre d'eau, s'il Monica! Te plaît. Monica! Oui, Monica! Mais, s'il te plaît, amène un verre d'eau froide. Ok. Bien glacé alors. Chef! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tenez bon, chef. Désolé, ça va aller. Ça va aller, désolé. Désolé, ne faites pas trop d'efforts, chef. Chef! Chef, tout va bien. Je vois. Chef, vous êtes en train d'halluciner. Je tout vois. Ira bien. Chef. Je vois des ennemis. Eh, c'est quelle histoire je ça, vois chef? Des ennemis. Chef. Je vois des ennemis. Eh. Où ça, chef? De la Brotherhood. J'ai invité cette mission d'urgence à cause du sérieux problème auquel le chef Desmond fait face actuellement. Nous devons partir immédiatement et chercher comment est-ce que nous pouvons l'aider. Unissons, nous faisons un. Chercher la solution pour ton problème, mais nous n'avons pas pu trouver une solution. Seigneur Graboli, qu'ai-je exactement commis comme crime? Si tu t'arrives, c'est seulement Dieu seul. Car tu l'as offensé. Tu as offensé tellement de personnes et ça l'a attristé. Je l'ai offensé? Comment? Comment? J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire et maintenant cela se retourne contre moi. Seigneur Diaboli, maintenant que la situation est comme elle est maintenant, quelle peut être la solution? La seule solution, c'est le sacrifice de son unique enfant. Tu as seulement 3 jours. 3 jours. Sinon, tu mourras.
Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont laissé, ils m'ont abandonné ici. Ceci n'est que le résultat de toute ma méchanceté. Ah, j'ai fait trop de mal. Aïe. Je suis tout seul. Je dois faire face à la mort. La mort, où es-tu? Viens maintenant. Dans cette vie, c'est vrai. L'on ne récolte que ce que l'on a semé. J'ai commis tellement d'atrocités. Et je réalise à quel point ce monde est méchant. Et le diable s'y est assis. Toutes ces richesses ne sont que vanité. Pourquoi choisis-tu la souffrance à la mort? Pourquoi? C'est une chose très facile à faire pour un homme comme toi. Offre juste ton enfant et tu vivras. N'ai-je pas à se verser assez de sang? Regarde-moi. Regarde le don. Qu'est-ce que j'aime? Rien. Pas de femme. Pas d'enfant. Mais je peux vivre à l'aise. Tout en fêtant et en jouant la vie. S'il te plaît, le don. Laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix, je ne le ferai jamais. S'il te plaît. Écoute. Desmond. Tu pourras sortir de tout cet embarrassement. Juste fais ce que tu as fait. Offre ton fils en sacrifice. Offre ton fils. Offre ton fils. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, merci mon roi, merci Dieu Tout-Puissant. Oh Papa, merci pour ces moments que j'ai passés en ta présence. Merci parce que tu as écouté mes supplications. Oh merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence. Merci pour cette écoute. Oh merci d'avoir jeté un regard favorable à mes prières. Merci mon Dieu. Oh, merci mon Dieu, mon roi, pour m'avoir exaucé. Merci parce que je sais qu'à travers moi, tu te feras connaître par des hommes. Oh Papa, merci pour ces 3 jours que j'ai passé à ta présence. Merci, oh Papa, parce que c'est que tu m'as exaucé. Oh, j'ai confiance en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui est comme toi? Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh Seigneur, parmi les hommes, qui est... Pasteur, pardon. Qui es-tu? J'ai besoin d'aide, il me poursuit. Pardon, pasteur, il me poursuit. Je veux confesser. J'ai commis beaucoup d'atrocités. Je veux confesser. J'ai tué beaucoup de gens dans des rituels. Qui ça? Pasteur, pardon, je t'en supplie, aide-moi, pardon. Non, recule d'abord. Pardon. Passe comme ça. Pardon. Si tu me laisses, je suis fini, pardon. Pardon, pasteur. Ça, c'est quelle histoire? S'il te plaît. Ils me suivent, ils sont là. Où sont? Les voilà. Tu peux pas les voir. Où sont-ils? Pasteur, pardon, les voilà, ils sont là. Tu n'as pas le droit de confesser, chef David de Carrefour. Qui êtes-vous? Souviens-toi de ce que tu nous appartiens. J'ai dit montrez-vous au nom de Jésus-Christ. Montrez-vous maintenant. Silence! Qui êtes-vous? Il nous appartient et il part avec nous. Non, il ne viendra pas avec vous. Je ne parle personne. Non. Je suis membre de la secte Blanche Brotherhood. Le maître de la secte nous a mystiquement envoyé avec des recommandations. Donc, il vient avec nous. Viens. Non. Je ne vais pas le laisser partir avec vous. Sa vie appartient à Dieu maintenant. Vous, écoutez-moi.
Partez maintenant, je vous commande, partez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en. Je vous commande, allez-vous-en maintenant. Je commande, allez-vous-en maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je commande, je vous chasse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant, j'envoie le feu sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de l'éternel. J'envoie le feu. L'emmener. Viens ici parce que son âme nous appartient. Vous encore? Vous êtes encore revenu? Hein? Il ne part pas avec vous. Il doit venir avec nous, qu'il soit mort ou vivant. Il n'ira nulle part. Tu es un menteur. Il a donné son âme le premier jour qu'il est arrivé dans les Broderwood. Maintenant, regarde ce qui va l'arriver. Pasteur! Non, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, fire! Sa vie ne vous appartient plus jamais. Ne revenez plus jamais ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne revenez plus ici là, jamais. Je vous commande maintenant, partez loin d'ici au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous chasse maintenant, il vous appartient. C'est moi. Pasteur. Frère David. Pasteur Denis. Pasteur. Qui es-tu? C'est moi, c'est moi. Frère David. Frère David. Oh, merci. Oh, qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Oh, pasteur, c'est moi. C'est moi, Frère David. Non, ne touche pas. Non, on va se revoir. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah. Oh Seigneur, Seigneur, oh merci Lord, merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, oh merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes hommes, oh ces hommes que tu les as créés dans ton grand amour, oh merci Seigneur, merci, oh Dieu merveilleux, béni sois-tu, oh gloire à ton nom. Desmond, mon fils, comment tu as pu te jeter entre les mains de l'ennemi? Comment tu as pu, mon fils, faire s'entraîner jusqu'à ce niveau, mon fils? Comment tu as pu? Je t'ai enseigné la voie du Seigneur depuis ton enfance. Mais, mon fils, pourquoi tu m'as fait ça? Comment tu as pu me faire ça, mon fils? Comment tu as pu? Maman, ne pleure pas. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Maman. Je regrette amèrement mon amour. Oh, Seigneur. Desmond, s'il te plaît. Pasteur David connaît tout. Je lui ai tout raconté, s'il te plaît. Confesse seulement tes péchés. C'est seulement le
Seigneur te pardonnera, s'il te plaît. Confesse-le-lui, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, confesse. Accepte tout simplement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit tout ceci. J'ai détruit tout ceci, que ceci soit sans effet. Maintenant, je condamne tout esprit de dénomination. Je condamne tout esprit de rébellion satanique qui voudrait s'élever contre les enfants de Dieu. Je te remercie, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Oh, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que je sais, Seigneur, que tu opères un miracle dans ma vie en me sortant d'ici. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Mon Dieu, merci, mon Dieu, merci pour ta bonté, merci, merci.